Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric babeuf Je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Academy. Vous appréciez nos vidéos Alors faites ces deux choses. Premièrement, cliquez sur le like juste en dessous. Deuxièmement, abonnez-vous à notre chaîne. Dans nos deux précédentes études, nous avons découvert que Dieu est glorifié non par la maladie, mais par la guérison, et que la maladie n'est pas un châtiment de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer que la maladie n'est pas envoyée par Dieu et qu'il n'en est pas l'initiateur. Cette vérité a pour objectif de combattre le mensonge selon lequel Dieu est à l'origine des maladies et des afflictions qui nous font souffrir et qu'il faut les accepter avec humilité. Il s'avère que dans tous ces mensonges anti guérison, Dieu est celui qui a le mauvais rôle, car c'est lui qui est accusé de tous les malheurs qui frappent l'humanité. Comme pour les deux précédents mensonges, celui ci s'appuie sur une interprétation erronée de la Bible. Cela me permet de vous rappeler ou de vous apprendre, au cas où vous ne le sauriez pas, que Satan est maître dans l'art de manipuler la parole de Dieu pour tromper l'être humain. Cela a commencé dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a dit à Ève, dans Genèse chapitre 3, verset 1er, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» C'est bien sûr un mensonge, et c'est Ève elle-même qui rétablit la vérité, en répondant aux versets 2 et 3, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin ». Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point ». Et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Voyez-vous comment Satan transforme ce que Dieu a dit pour atteindre son but, qui est de tromper et de détruire l'homme Il le fait non seulement en modifiant les paroles de Dieu, mais aussi en les sortant de leur contexte, afin d'en abuser et d'en pervertir le sens. C'est ce qu'il a fait avec Jésus lors de la tentation dans le désert, car nous lisons dans Matthieu chapitre 4, versets 5 à 7. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, Il est aussi écrit, Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Notez comment Satan suggère à Jésus de se jeter dans le vide, en se référant aux versets 11 et 12 du psaume 91. Est-ce que les versets qu'il cite sont authentiques? Se trouvent-ils réellement dans les Saintes Écritures? Absolument. Mais Satan abuse de leur sens et les détourne de leur objectif pour essayer de manipuler Jésus, lequel répond de façon magistrale en se référant également aux Saintes Écritures puisqu'il cite Deutéronome, chapitre 6, verset 16. Jésus dit clairement que s'il obéissait à la suggestion du diable, il tenterait Dieu, ce qui serait un péché délibéré. Maintenant regardons la chose sous un autre angle. Dans notre texte, Satan et Jésus ont tous les deux cité la parole de Dieu. Mais l'un a menti et l'autre a dit la vérité. Bien sûr, c'est Satan qui a menti et c'est Jésus qui a dit la vérité. Si les deux ont cité les saintes écritures, comment expliquer alors que l'un est menti? Laissez moi vous donner la raison, et je vous demande d'être très attentif car ce que je vais dire est la clé qui permet d'expliquer correctement la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que c'est forcément une vérité qui libère. Je répète, ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que c'est forcément une vérité qui libère. En d'autres mots, ce qui est vraiment écrit ne s'applique pas obligatoirement à notre situation du moment, et cela est d'autant plus important que la vérité qui sort de la bouche du diable devient automatiquement un mensonge. Avez-vous saisi ce que je viens de dire? Quand Satan parle, tout ce qu'il dit est un mensonge, même lorsqu'il se sert de la vérité de la Bible. Jésus a dit à son sujet dans Jean chapitre 8 verset 44, Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Notez bien ce que Jésus affirme ici. Il n'y a pas de vérité en lui. Donc, dès qu'il prononce une vérité des Écritures, cela devient un mensonge dans sa bouche car il n'y a pas de vérité en lui. Cela signifie également que nous devons veiller à l'origine de ce qui est dit, même si cela vient de la Bible. Pour le dire autrement, il ne suffit pas que cela soit une citation de la Bible, mais il faut savoir qui est celui qui cite le texte. Ayons du discernement, et identifions la véritable nature ainsi que les vraies motivations de celui qui mentionne les passages de la parole de Dieu. N'oublions pas ce que l'apôtre Pierre dit dans sa deuxième épître au chapitre 3 et au verset 16. Les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. C'est important ce que dit Pierre ici. Un verset de la Bible dont le sens est tordu cause la ruine de ceux qui l'entendent. Le mot ruine traduit un terme grec qui signifie perte et destruction. Nombreux sont ceux dont la santé a été perdue et détruite parce que le sens des Écritures a été tordu. L'expression "tordre le sens" signifie tourner de travers, pervertir. Avez-vous remarqué qui sont ceux qui pervertissent le sens de la Parole de Dieu? Pierre dit que ce sont des personnes ignorantes et mal affermies. Comprenez-vous maintenant pourquoi j'ai dit que nous devons identifier la véritable nature de celui qui cite les textes de la Bible? Sait-il de quoi il parle? Connaît-il réellement Dieu? Comprend-il la volonté et le cœur de Dieu pour les malades et les affligés? S'appuie-t-il sur la Bible ou est-il ignorant et mal affermi, n'ayant comme unique motivation que de donner raison à la théologie de son Église ou à son expérience personnelle? Ne pas prendre en compte ces différents critères peut s'avérer dangereux car nous pouvons accepter que quelqu'un fasse dire à Dieu le contraire de ce qu'il a réellement dit. C'est ainsi que certains prétendent que Dieu est à l'origine de la souffrance parce que David dit dans le psaume 34 et le verset 20, le malheur atteint souvent le juste. Leur conclusion est que les maladies et les souffrances physiques sont envoyées par Dieu et qu'il est inutile d'y résister. Cependant, le mot malheur ici signifie méchanceté, détresse, calamité, et fait plutôt référence soit à des épreuves, soit à des actes malveillants de la part des autres, et non à la maladie. Cependant, le plus important, c'est la seconde partie du verset qui ajoute, mais l'éternel l'en délivre toujours. Tout d'abord, comme je viens de le souligner, le mot malheur ne désigne pas la maladie. Mais ensuite, si c'est Dieu qui a envoyé ce malheur, pourquoi accorderait-il en même temps la délivrance Ce n'est pas logique. Savez-vous que moins de dix secondes suffisent pour dire que vous aimez nos vidéos et pour vous abonner Un autre verset dont le sens est tordu pour justifier la maladie, c'est 1 Pierre chapitre 4 verset 16, où l'apôtre déclare Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Pierre exhorterait les chrétiens à ne pas avoir honte d'être frappés par la maladie, mais de rendre gloire à Dieu qui envoie la souffrance à ceux qui lui appartiennent. Mais est-il vraiment question de maladie dans ce texte Eh bien, un simple examen du contexte, qui va du verset 12 au verset 19, indique que Pierre ne parle pas de maladie mais de persécution pour la cause de Christ. C'est ce qui ressemble nettement au verset 14. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Il est clair que lorsque Pierre écrit à ses destinataires qu'ils peuvent être outragés, il veut dire qu'ils peuvent être maltraités ou persécutés et non pas rendus malades. Le mot souffrance dans l'ensemble du quatrième chapitre de l'épître ne désigne pas la maladie, mais la persécution en raison de la foi en Jésus. Par exemple, regardez ce qu'il écrit dans le verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Pierre ne peut pas vouloir dire Réjouissez-vous de la part que vous avez aux maladies de Christ, car Jésus n'est pas malade. Non. Pierre parle ici de persécution. De la même façon, lorsque Jacques, chapitre 5, verset 13, dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie », cela ne se réfère pas à la maladie, car celle-ci est mentionnée au verset 14. « Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Jacques parle donc de deux besoins différents pour lesquels il existe deux solutions également différentes. À la souffrance, il oppose la prière personnelle. À la maladie, il oppose l'onction d'huile de la part des anciens. Si le verset 14 se réfère à la maladie, la souffrance du verset 13 peut concerner toutes sortes de situations génératrices de peine mais en dehors de la maladie. Toutefois, quelqu'un objectera en disant qu'il existe plusieurs textes dans la Bible où il est clairement spécifié que Dieu envoie des maladies. Il citera alors des passages comme Exode chapitre 15 verset 26. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ou encore Deutéronome chapitre 7 verset 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Dans ces deux versets, Dieu est effectivement dépeint comme celui qui frappe de maladies et qui envoie des mauvaises maladies. Mais ils doivent être compris comme soulignant des jugements de Dieu envers ses ennemis, c'est-à-dire ceux qui persistent dans leur rébellion vis-à-vis -vis de lui, ceux qui lui désobéissent ouvertement en toute connaissance de cause. Lorsque la Bible dit que Dieu envoie la maladie ou frappe de maladie, cela signifie qu'il retire sa main restrictive et permet aux puissances sataniques d'affliger les hommes et de leur causer des souffrances. Par exemple, c'est Satan qui, avec la permission de Dieu, a infligé à Job toutes ses souffrances et non Dieu lui-même. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job chapitre 2 verset 7. Par contre, c'est Dieu qui a guéri Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job chapitre 42 verset 10. Que personne n'ose prétendre que Dieu le traite comme il a traité Job, c'est-à-dire en laissant le diable frapper de maladie. Il faut savoir que l'histoire de Job se situe avant que Dieu fasse une alliance de guérison avec les hommes, comme c'est le cas dans Exode chapitre 15 verset 26. Le contexte spirituel était totalement différent de ce qu'il est aujourd'hui, 2000 ans après le sacrifice parfait de Jésus à Golgotha. Le jugement que nous méritions est tombé sur Jésus. Donc, Dieu n'envoie pas de maladie comme signe de sa condamnation. Ne laissez pas le diable vous le faire croire. C'est contraire au Nouveau Testament. Selon la Bible, Dieu promet de garder son peuple en bonne santé et de le guérir de ses maladies, de sorte que les personnes qui ont fait alliance avec lui par la foi en Jésus peuvent réclamer la guérison et la santé à Dieu sur l'autorité des promesses de sa parole et de l'œuvre expiatoire du Christ. Parmi les nombreux textes que je pourrais citer pour confirmer cette vérité, je n'en retiendrai que deux. 1 Pierre chapitre 2 verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtres duquel vous avez été guéris. Troisième épître de Jean verset 2, bien aimés. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Par son unique sacrifice, Jésus s'est occupé en même temps de nos péchés et de nos maladies. Il sauve notre âme et guérit notre corps par sa mort sur la croix. Si Dieu envoie des maladies pour faire souffrir l'humanité, pourquoi a-t-il envoyé son fils mourir à la croix pour que nous soyons guéris par ses meurtrissures? Et pourquoi souhaite-t-il que nous soyons en bonne santé s'il nous frappe de mauvaises maladies? Ce serait un non-sens. Eh bien non, mes amis. Nous n'allons pas faire mentir Dieu en prétendant que c'est lui qui envoie des maladies pour nous affliger. Non. Nous ne le dirons pas parce que c'est faux. Par contre, nous dirons avec le psaume 107 et le verset 20, il envoya sa parole et les guérit. C'est pourquoi nous affirmons que Dieu n'envoie pas la maladie, mais la guérison. Si vous êtes malade, je vous propose de prier pour vous. Si vous ne voulez pas de cette prière, vous pouvez éteindre cette vidéo, mais si vous êtes d'accord pour que je prie pour vous, je vous invite à placer l'une de vos mains sur la partie malade de votre corps. Toutefois, si ce n'est pas possible, placez-la sur votre cœur et écoutez cette simple prière. Seigneur, tu n'envoies pas la maladie, mais la guérison. Tu es le Dieu qui guérit et non le Dieu qui rend malade. Jésus s'est sacrifié pour nous et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Seigneur, confirme la vérité de ta parole et manifeste ta puissance en guérissant celui ou celle qui est malade. Je prie pour que ton royaume vienne sur toute personne qui souffre et qui entend cette prière. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute maladie et toute douleur de disparaître de leur corps. Que la puissance de l'Esprit descende sur chacun d'eux et restaure leur santé. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Peut-être ressentez vous la puissance de Dieu agissant dans votre corps sous forme de chaleur, de sensations électriques, de picotements, etc. Peut-être ne ressentez vous rien, mais sachez que Dieu agit en vous là où vous vous trouvez. Vérifiez comment vous vous sentez. Faites-le de nouveau dans quelques heures ou dans les jours à venir. N'hésitez pas à me dire ce que Dieu a fait pour vous en réponse à la prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour débusquer d'autres mensonges voleurs de guérison. Je vous dis à bientôt. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu Accéder à des ressources captivantes en rejoignant LibraXe Academy. LibraXe Academy, c'est un espace public comprenant un blog et une chaîne YouTube. LibraXe Academy, c'est aussi un espace membre proposant une école de formation des disciples et un parcours de théologie biblique. LibraXe Academy, c'est l'occasion d'écouter de nombreux podcasts inspirants et de visionner des vidéos d'enseignement inédits. LibraXe Academy, c'est également la possibilité de télécharger des Bibles et des ouvrages d'édification pour la foi. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors de connaissances bibliques inestimables pour une expérience spirituelle unique en vous rendant sur notre page d'informations.